Bonjour. Moi, c'est Odette Mendy de la communauté OpenStreetMap du Sénégal. Donc, j'aimerais partager avec vous les difficultés que nous rencontrons pour participer à la cartographie collaborative d'OpenStreetMap dans notre localité. OK. So, in 10 minutes, prior the transportation track is going to start, Odette is going to make a sort of introductions to some of the difficulties that are had with mapping transport in Western Africa through the specific difficulties that they had to overcome in Senegal, which to a certain extent are exactly the same that anyone has to wrestle with in Western Central Africa or as well as in Haïti. D'accord. Ces difficultés tournent autour de trois points. On a des difficultés dans les ressources humaines, dans les ressources matérielles et financières aussi. Okay. So, three main difficulties on the human resources, on materials and financial resources. Donc, pour les ressources humaines, nous sommes un petit groupe de jeunes, soit issus de l'université, soit issus des écoles de formation. D'habitude, au début, on est des cinquantaines ou une quarantaine, mais au final, on se retrouve avec un nombre restreint, une dizaine. Donc, ça, c'est à cause des difficultés que nous rencontrons. J'ai un étudiant qui va à l'école. Et à un certain moment, il veut acquérir d'autres informations, d'autres compétences qui lui permettent d'évoluer dans son milieu. Mais après l'acquisition de ces compétences-là, les étudiants, ils ne veulent plus rester par faute de moyens. Genre, pour nous, la plupart des étudiants ne sont pas localisés à Dakar, alors que les activités que nous organisons, on les fait dans un local qui se trouve à Dakar, dans une mairie qu'on nous donne soit gratuitement parfois. Du coup, pour faire déplacer ces étudiants-là pour qu'ils viennent assister ou bien participer à nos activités, c'est difficile. Ils ne peuvent pas tous venir par rapport à leur situation. So, on the human front, the group that emerged reached something like 50 people, mostly young people from the university or technical schools that first got interested into OpenStreetMap for the project itself, but also through all the capacities that they can acquire in terms of handling OSM plus geodata and building up skills around QGIS in a ways that no school is able to provide in Senegal. But once they finally met that goal and that they found themselves skilled enough with what can be learned around the OSM toolset, then a majority of those people are just facing the dire necessity of making a living and contenting people. And the simple fact, while they are present in Dakar, in the capital, to go into a couple of few places that are open to OSM Senegal activities is something that is just outside of reach for them. And what we're witnessing is a sort of constant level of people that can be active around OpenStreetMap, but there is no way to really scale up and keep the people that have been trained within the movement. L'action volontaire chez nous, c'est pas vraiment bien accueilli, vu que les gens ils font quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Et chez nous, à un certain âge, la famille exige quelque chose de la part de la personne, une aide ou bien une participation. Comme au début avec OpenStreetMap, rien, on n'a rien, on participe, mais on n'a pas de moyens financiers qui nous permettent de participer aux dépenses de la famille. Du coup, pour un étudiant ou quelqu'un qui vient de finir l'université, demander à ses parents le moyen de transport, l'argent pour payer le transport, pour venir faire l'activité et repartir sans pour autant ramener rien, c'est un problème. C'est pour ça
La plupart des jeunes, ils viennent participer aux formations, mais ils ne restent pas plus longtemps, vu les contraintes familiales que nous rencontrons. So essentially, any Senegalese is wrestling with one thing, that's the DQ. DQ is dépense quotidienne. And when you're within one family, or even the close or the large family, and that you are at the uni, you're at the uni because the family mobilized resources for you to get trained and then to be in a position then to give back to the family, your inner family or the wider family. And that solidarity is something that you need to honor if you want to stay well seen within the family, and that sort of social obligation. The consequence is that once outside of the data animation that are organized by people from OpenStreetMap, you get what you think is just reasonable, then you have to quit unless you're able to make a reasonable amount of money from that activity that can prove the family that OpenStreetMap is worthwhile going, because it's opening that opportunities for me as an individual, but outside of me building myself as an individual. You have to prove money-wise that this is worthwhile. On a aussi côté ressources matérielles. Donc pour nous, c'est un peu délicat. Si on sort de Dakar, on n'a pas de ressources qui nous permettent de cartographier comme on veut. Donc du coup, nous, ce qu'on fait d'habitude, on organise des mapping parties. Mais pour cela, pour qu'on puisse avoir du monde, il faudrait qu'on puisse leur proposer la nourriture, genre le repas du midi. Donc, comme nous, on n'est pas nombreux, comment on s'organise pour avoir ça? Comment avoir les moyens matériels qui nous permettent de cartographier librement et avec motivation? Vous voyez ici, ça, c'est dans un village. Le monsieur qui est ici, au centre, il a son ordinateur portable. C'est pas évident de cartographier comme ça. Du coup, là, c'est un peu difficile pour la cartographie. Par contre, là, c'est bon, c'est assez bien. Mais la table, regardez comment la table, elle est restreinte. Elle est petite, donc on est obligé de se regrouper, condenser autour d'une table pour pouvoir cartographier. Donc, on a des problèmes d'espace, des problèmes de matériel, genre ordinateur ou tous les outils qui nous permettent de collecter de la donnée. Okay, so I think that the images are speaking for themselves. Materials and hardware resources are hard. On the below pictures, people are on a net, and there is only just one laptop for a mapping party, which is one way to expose people. But you will do little progresses under that conditions. Even the couple of places that are open to OpenStreetMap Senegal on a free basis through a cooperation that has been struck with one municipality of Dakar, or the university, or the network of Campus National Francophone, Campus Francophone Numérique Francophone, are good because they're there, but they're not putting people in, let's say, optimal conditions to carry out training and have a large capacity for accommodating large crowds of people. Les ressources financières aussi, oui, comme je pense dans n'importe quelle communauté. Pour nous, comme les contraintes évoqué au début, contraintes par rapport aux ressources humaines, c'est toujours lié aux ressources financières. Du coup, pour organiser des activités, il nous faut avoir des moyens pour la nourriture, pour permettre aux gens de ne pas venir passer toute la journée sans pour autant avoir même pas un café ou de l'eau. Du coup, comment nous on s'organise pour pouvoir pallier tout ça? Nous, on n'est pas nombreux, genre une dizaine. On se fait une cotisation, en fait. On se dit, on organise chaque 3 mois des activités. Donc, pour l'activité,
on se dit chacun va donner 2 000 ou 5 000 en fonction de ce qu'il a. Du coup, on regroupe tout ça pour pouvoir acheter ou bien préparer de la nourriture pour les gens qui vont arriver. Et ce n'est pas évident pour nous, qui sommes toujours étudiants, de faire des participations comme ça pour pouvoir aider les autres. Mais comme on décale les activités de 3 mois, on se trouve le temps, si quelqu'un a 500 à donner un mois, l'autre mois 500 francs jusqu'à avoir le montant souhaité pour qu'on puisse s'organiser et puis subvenir à nos besoins. So, even kicking off a one capacity building training of one day in one place where the cost of the venue is secured as well as the internet is something which is tough to organize. They're just mobilizing themselves and funding their activities via Tantin or things like that, and this is something which is of course a limitations, and I mean this is where obviously support mechanisms like the micro grants that has been kicked off by Art in 2017, so things that have been organized via Organisation Internationale de la Francophonie, other things are able to be part of the solution, but that's only one part of the solution. Oui, j'ai fini là. C'est tout ce que je voulais vous montrer, mais malgré ces difficultés, ces contraintes, la communauté OpenStreetMap avance à son rythme et produit des résultats qui sont convaincants. Donc on a réussi à cartographier les localités qui nous étaient beaucoup plus proches et dont nous avions des besoins, et la cartographie que nous avons réalisée, d'où la présentation que nous avons fait le premier jour pour montrer les résultats que nous avons obtenus. Donc, par rapport à tout ça, la communauté évolue très bien et grâce à certains membres qui sont encore motivés pour apporter, pour venir participer, apprendre et faire apprendre aux autres, partager leur expérience sans rien attendre en retour. Merci. Okay, so what Odette wanted to say as a closing is that despite all those difficulties, you've got a core nucleus of over 10 people that are still active, and that allows the OpenStreetMap project in Senegal to make progresses. She delivered a talk on the first day, and for that track that's going to start by transportation, you'd be probably pleased to know or hear again that with those constraints, they managed to map part of the transport network of Dakar in partnership with Dakar Demdik, which is one of the main transport operator for public lines, using the tools of the OpenStreetMap ecosystems. Prior, there was much interest or formalized interest, let's say, around mapping transportations in OpenStreetMap. So this is hopeful, and this is full of hope and promises for us.